Salut à tous les gens, c'est Zank et on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode, pardon. Je commence déjà à m'embrouiller, carrément je croyais que c'était le cinquième, mais bref. Donc en gros, on se retrouve ouais, pour le sixième épisode de ma série sur Lucius, donc avec le petit Lucius toujours. Bon, il fait de plus en plus noir ici, donc je pense que je vais vous rehausser, je pense, la luminosité. Je pense que vous allez rien voir tout simplement. Ou alors, à moins que j'utilise réellement H24 ma lampe torche, mais c'est pas spécialement le top. Tu voyez ce que je veux dire? Il y a moyen que je me fasse griller. En tout cas, la dernière fois on s'était quitté donc avec la vidéo où on voyait le vieux, enfin la cinématique. Donc en gros le Fabius qui était réellement louche, hein, je l'avais grillé déjà le trou avec le coup du paparazzi. Et il me semblait réellement que lui il avait à voir quelque chose avec le Lucifer ou quelque chose comme ça. En tout cas on n'en est pas sûr pour le moment. Mais réellement ça se voit que le mec c'est un putain de sadique, hein, il porte ça sur lui, c'est un petit peu notre cousin on va dire. Donc on va aller voir. Je pense dans cet épisode, j'avais fait d'ailleurs le sadique, là, toi, il y a des certaines personnes qui m'ont dit franchement t'es un bâtard, donc t'es réellement un vrai sadique. Et ouais les potes, franchement faut voilà qu'il y ait un petit peu de suspense. Même moi je me suis mis du suspense, j'ai pas joué le jour où vous allez voir cette vidéo, bah je serai déjà j'aurai joué le matin tout simplement, donc je vous la mettrai dans l'après-midi. Et donc voilà, moi aussi j'aime bien prendre mon temps. Et donc voilà, on va continuer donc ça tout de suite, donc on va regarder où on en était. Donc ici il n'y a rien, donc ça n'a pas été mis à jour, mais de toute façon je sais à peu près où il faut que je me rende. Donc on va regarder vite fait ce que va nous dire le Ouija. Tous les sujets du roi ne purent recoller les morceaux d'un petit en ces temps-là, les gens n'en savaient rien. Bon, ça m'en dit rien. Donc on va essayer comme toujours de déverrouiller. Bon, ça c'est verrouillé. Ok, donc en gros j'ai qu'un seul passage, c'est ici, d'accord. Ok, bah c'est la première fois qu'on passe sur le balcon, on va voir un petit peu ce qu'il faut qu'on fasse. Ah! What the fuck? Ah ok, non mais je me disais aussi, c'est pour ça que c'est verrouillé. D'accord, c'est parce qu'en fait on est en train de se lever la nuit en fait. Ouais, vu que j'escape la comment ça s'appelle, la cinématique, je me rappelais pas qu'en fait on était la nuit. D'accord, donc en gros il y a notre mère, donc il va falloir qu'on fasse super attention. Donc... je vois pas réellement par contre comment je peux faire pour justement pas me faire griller. Donc ma petite mère elle est en train de regarder la télé, donc est-ce que je peux faire quelque chose? Je sais que j'ai comment s'appelle, j'ai eu le sort l'autre fois où je peux m'en servir justement pour tuer quelqu'un, mais j'ai l'air un petit peu hors de portée. En tout cas je sais pas du tout comment on s'en sert. Là je me suis mis sur le truc, mais comme vous pouvez voir il n'y a pas de, il n'y a rien du tout qui m'indique que je peux l'utiliser. Donc là je me suis mis sur le sort normalement. Ou quand je me fais repérer, j'ai le temps justement d'appuyer sur le truc pour lui faire un truc en mode Men in Black, lui effacer la mémoire. Donc on va tester. On va tester ça. Que j'ai le temps. Je bourrine comme un fou. Non, j'ai... Ok. Ça a pas l'air d'être ça. Ou alors du moins je sais pas encore me servir du sort. Mais il me semble que j'aurais quand même comment dire, une sorte de réticule, un truc bizarre, vous voyez ce que je veux dire, comme on voit d'habitude avec la télékinésie, des trucs comme ça. Mais là il n'y a rien du tout, donc ça me paraît un petit peu chelou. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à l'extérieur ou quelque chose peut-être à l'intérieur justement de la chambre, comme une lampe ou quoi? Je vais commencer à prendre justement mon truc de télékinésie. Qu'est-ce qu'elle me dit? Tu dois d'abord prendre possession d'un humain. Déjà oui, j'ai pas pris de pont. Je commence à avoir pas mal de sorts, donc on va regarder à l'intérieur s'il n'y a pas quelque chose. Est-ce que je peux tout... Quoi? Non mais la meuf elle a des yeux de lynx. Elle a des yeux de lynx, regardez où je suis. On voit un petit bout de mon bras carrément, je suis dans le noir. En plus la meuf genre elle est fixée devant la télé, elle est en train de regarder à chaque fois les mêmes trucs. En plus elle est en train de regarder BFM TV la meuf. Et genre elle me capte. Genre elle me capte. Déjà tu ferais mieux d'être couché là carrément. Espèce de vieille pauvre. Vieille pauvre. Ah mais réellement c'est quoi ce fucking délire là? J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc en gros, je pense pas que ça soit ici que ça se passe. Si réellement je vois que je galère, je ferai peut-être justement une petite coupure, hein, parce que réellement, on vient déjà de lancer, je suis déjà un petit peu perdu. On va essayer de repasser ouais, en mode télékinésie, peut-être je peux... J'ai pas eu le temps peut-être d'appuyer sur ce lustre-là. Réellement, il n'y a pas le temps, hein. Donc c'est pas du tout ça, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'extérieur, ou alors c'est réellement devant moi et je le vois pas. C'est pas possible. C'est pas possible en tout cas que ça soit ça, parce que réellement à chaque fois en plus il y a cette putain de cinématique. Mais c'est pas possible que ça soit ça. Attendez, on va relire le truc. Tous les sujets du roi ne purent recoller les morceaux Dumpty Dumpty. En ces temps-là, les gens n'en savaient rien. Je vois pas du tout de quoi ils parlent, je sais même pas à quoi ils font allusion avec le Humpty Dumpty, je vois pas du tout ce que c'est.
Là il y a le coup du balcon, mais bon, malheureusement à la balustrade je peux pas sauter, hein. Mon mec c'est pas faire des trick shots malheureusement. C'est quoi ça? Allez! C'est quoi? Attendez, je pense que j'ai fait quelque chose. Pas dire de conneries, mais. En tout cas, c'est pas anodin. Super, nous n'avons plus aucun pouvoir désormais. Charles, Will, il y a quelqu'un. Ok. Je pense qu'attendez, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a bougé. Ouais, c'est bon, elle bouge, les potes. Ok, bah en fait, c'était pas si compliqué que ça, on va dire. J'aurais pu rester quand même bloqué longtemps, hein, si j'avais pas regardé en face. En fait, ouais, d'accord, ça a éteint toutes les lumières. Donc, en gros, il va falloir que je la suive dans la nuit. Bon, au pire, vous les potes, je vous mettrai un petit peu de lumière, on va dire. Parce que même moi, là, pour vous dire, j'y vois vraiment, mais quand je vous dis rien, c'est réellement rien. Hein. Je suis pas en mode... Attendez, on va essayer de descendre en spread. Oh, putain! Oh, putain! Je sais pas si vous avez vu, mais il y a même le flic. Attendez, viens pas là, mec. Viens pas là. Je suis pas là. Mec, il fait quoi? Il dégage, mec. Est-ce qu'il est en train de monter? Je pense qu'il fait juste peut-être un tour de ronde, mais attendez, faut que je fasse super gaffe du coup. Comment je vais faire pour passer ici? Parce que, attendez, au pire, peut-être ils vont commencer à se barrer et peut-être il faut que j'attende le bon moment. Attendez, et c'est qui le mec là en costard? Je sais qu'il y a le keuf, mais l'autre, je sais pas du tout qui c'est. Est-ce que je peux commencer à sprinter et essayer de passer un petit peu par là? Ouais, ça a l'air. Putain, c'est qui ces cons là? Putain, y a des mecs partout! Non! Putain! Franchement, j'avais pas le choix, la porte elle était fermée, je me suis fait griller. Il dit quoi lui? Tu as été. Ah, attendez. Tu peux utiliser mon truc? Vous avez grillé? J'ai effacé la mémoire ou pas là? J'ai pas eu le temps, mais en tout cas, normalement ça marche. En principe, en tout cas, ça avait l'air de marcher. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai compris qu'il fallait que je passe par là. Ou du moins qu'il fallait que j'attende. Bon déjà de toute façon on a trouvé déjà la première partie, on va dire. Alors, à mon avis c'était la plus corsée. Déjà tac, je vais reprendre mon sort. C'est pas celui-là. Ah, en fait c'est un genre de disjoncteur si je capte bien. En gros ouais, ça pète un petit peu tous les plombs dans la maison. Et en gros ma mère elle va être obligée de les réparer. Mais c'est... Putain, il y a carrément, il y a tout le monde qui est en mode la night. Il y a que moi qui dors, les mecs qui sont là ils font des rondes et tout. Même le mec là, le Renoir, carrément, c'est le garagiste, il est encore debout, je me demande qu'est-ce qu'il fait le mec, c'est un petit peu chelou. Attendez, on va pas se montrer parce que la conne elle est là. Voilà, avance là, débile. Voilà. Oh, je comprends pas, y'a plus de lumière. Vas-y, on va avancer juste tranquillo, on va essayer de pas se faire griller. Tac, on va la suivre de près quand même. Ok, bon. De toute façon, il y a toujours le flic, donc ce qu'on va faire, je pense les potes, c'est que clairement on va attendre. Donc là on voit qu'il y a le Renoir qui vient de rentrer dans le truc. Donc lui je sais même pas c'est qui lui le mec en costard. Est-ce que c'est mon daron? Ça en a tout l'air, pardon. Ah, il me semble que c'est lui, bon on va dire. Carrément il y a la Suzanne aussi. Carrément ils sont réellement tous debout. Je me demande qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas si c'est bah si à mon avis c'est la night, hein. Ça m'étonnerait que ça soit le matin pour faire nuit comme ça. De toute façon déjà de base à l'extérieur. Ou alors que ça soit réellement un orage de ouf. En tout cas ils ont l'air qu'est-ce qu'elle fait? C'est ma mère qui est à gauche là. Il me semble que c'est elle. Il y en a un qui revient vers moi. Ouais, il y a encore le flic qui vient vers moi. Putain, c'est un petit peu chaud là. Il faut que j'utilise. Bon, je vais mettre en mode sort. Putain, viens pas là, mec. Putain, le mec il est en mode Navarro quoi. Et... On va essayer d'avancer, les potes. On va essayer d'avancer en scred. On passe avec mon truc. Oh là là. Genre, c'est le keuf là qui m'a grillé. Doulou. C'est bon les gars. Vite. Non. Est-ce qu'il me voit là? Vous pensez qu'il me voit ou pas? Est-ce que c'est en mode Splinter Cell un petit peu le jeu? Oh là là, l'enculé. Ah, le daron il est sans pitié quoi. J'ai le temps. Oh là là, mais ils sont partout. Ah, ils sont partout, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh là là, mais c'est un film de cul. Eh, vous voulez quoi? Vous voulez faire une partouze avec moi ou quoi? Oh là là, mais laisse tomber, man. Laisse tomber, carrément. Tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous avez vu les potes? Ils se font une partouze. Gars, je suis pris en gangbang, tu sais. Je peux rien faire. Et faut réellement que je capte le DR parce que... C'est pas possible. Ils sont trop.
ils font quoi? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se renifler les chaussettes, je sais pas, c'est pas possible. Ah bon, déjà on va dire que j'avance bien parce que je sais à peu près ce qu'il faut faire. En tout cas, j'ai bien compris qu'il fallait que j'utilise mon truc. Mais en gros, il faut que j'ouvre une des portes. Je pense que le flic, je vais essayer justement de lui. Attendez, parce que elle, je vais réellement la suivre de près. La daronne là. Attendez, hop. Pour une fois, elle est moins conne. Franchement, elle est moins conne que d'habitude. Elle. De toute façon, ça sert à rien que j'utilise mon sort parce qu'il faut que je la suis. Hein. Donc, je sais même pas où elle va. Vas-y, vas-y. Que fais-tu debout? Vas-y, vas-y. Termine, termine. Carrément, ça va être l'épisode des fails là, je sens les potes. Il fallait bien que ça arrive. Hein. Mais réellement, ouais, elle, il faut que je la suis. Et que je voie où elle va exactement. Donc, en gros, je sais pas si elle me le dit. D'ailleurs, je vais essayer de lire un petit peu ce qu'elle dit. Voir si elle me donne justement un indice sur là où il faut que j'aille. Pour un petit peu me repérer parce que. Réellement dans la nuit comme ça, je sais pas si réellement même je vais pouvoir rehausser la luminosité comme je voudrais sans que la qualité soit justement un petit peu touchée. Parce que c'est réellement la night, hein, c'est un truc de ouf. Là c'est réellement la night. À l'intérieur en tout cas là quand je vais péter le disjoncteur on voit plus rien. Bon, on va laisser passer la petite Nancy là. Vas-y Nancy, ouais vas-y vas-y. Ce n'est rien monsieur, votre femme a eu un peu peur. Carrément j'entends le Terence parler alors que le mec il est à l'opposé. Vas-y, passe, passe, passe la débile. Voilà. Attendez, on va attendre parce que carrément la meuf maintenant elle s'est payée du 5 points, elle joue avec un astro. Voilà, voilà, avance. Mec, la meuf elle entend tout, tu sais. Pourtant l'autre fois quand j'étais, je sais plus c'était le keuf là, attendez, est-ce que j'ai le temps de passer? Non, j'ai pas le temps. On va attendre, hein. On va attendre, on va attendre le bon moment. Donc déjà, il faudrait que je repère un petit peu par où elle va. Donc elle, elle va en haut là. Enfin, elle va par la gauche. Est-ce qu'elle monte l'escalier? Il peut me griller là. Non, il peut pas. Je la vois un petit peu passer là. Je veux juste repérer où elle va quand même. Est-ce qu'elle monte l'escalier? Putain, c'est réellement chaud de voir hein, les potes. Hein, parce qu'en fait, quand il met son coup de la torche, là, on y voit quasiment rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici. Comme j'ai fait tout à l'heure. Je peux ouvrir la porte. Ah, je peux utiliser ça. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a l'autre Renoir aussi derrière qui va me saouler. Je vais essayer de vite me planquer en dessous de l'escalier. Je vais essayer de me planquer. Est-ce que je peux? Vous pensez que je peux me faire griller ici? Je sais pas. On va attendre en tout cas le bon moment parce que je sais pas du tout en fait où ils s'aventurent les mecs là. Bon alors laissez, donc là il y a le mec, donc là c'est mon daron. Et normalement il y a le Terence qui suit juste derrière. Ouais voilà il arrive. Vas-y ramène-toi mec. Non ça c'est la Suzanne. Et donc lui en plus il est passé là-bas mon daron. Il est où le flic? Le flic je le vois pas. Putain mais ils font réellement un tour de ouf. On va essayer de monter hein. On va essayer. De toute façon au pire s'il y a que le flic, c'est pas très très grave j'ai envie de dire. Parce qu'en gros le keuf lui je pourrais toujours comment dire avec mon sort putain mais par contre la meuf je sais pas du tout où elle est passée. Là c'est verrouillé donc en gros ça veut dire que je peux pas passer. Putain, il est là les gars. Il est là. The fuck. Carrément je commence à parler doucement tellement je suis en mode mais vous pensez qu'il me grille ici? Viens pas là mais viens pas là, la tête de ma mère vient pas. Ah, trace ta route. Je suis pas là. Fais comme si j'étais pas là, fais ton taf de flic là. Là je peux passer par là ou pas? Là non j'ai dit. On va essayer de passer là où il y avait le flic à mon avis, s'il était par là-bas c'est pas pour rien. Ok. Donc là j'essaie un petit peu de me repérer, donc là je suis à la truc du vieux là. Là ça me mène où? Ça me mène où? Ça me mène où carrément? Putain en fait ça me remène au même endroit les potes. Là c'est la chambre, ok ça je sais ce que c'est. C'est le truc de la grosse, et là c'est la bafoum, putain. Je suis complètement paumé, les gens. Je suis complètement paumé, parce qu'en gros je peux pas passer par le bas, ça me paraît un petit peu chelou. Que j'ai raté quelque chose, est-ce que je peux passer à l'extérieur? Je peux passer à l'extérieur, mais est-ce que ça m'emmène quelque part? Je pense pas. Carrément, je suis en mode paniqué là, je sais pas du tout où je vais, les gens. Attendez, je vais essayer de regarder la carte. Donc à mon avis. Ouais d'accord, je suis ici.
En gros, je suis ici, il faut que j'aille, bah, je sais pas. C'est ça le problème en fait, c'est que si encore je savais à peu près où il faut aller. Mais là, j'ai pas pu la suivre en fait. Bon, attendez, on va essayer. Bon, attendez, je pense que je vais prendre déjà ma lampe torche en main. Parce que bon, c'est pas que j'y vois rien, mais fuck. J'y vois réellement rien du tout sinon. On va la couper entre deux à chaque fois, je pense. Putain, la feuille grillée, je pense que la Suzanne, je sais pas où elle est. Est-ce qu'elle est là? Je vois qu'il y a de la lumière en fait par là, mais je sais pas du tout si c'est les mecs en fait qui sont en train de faire leur... Ouais, si. Faut vite que je me planque. Je ferme la porte. Je me planque derrière la porte. Là, carrément, c'est... je suis en mode Splinter Cell quoi, c'est un truc de ouf. Viens pas là, viens pas là, viens pas là. Est-ce que je le tente d'avancer ou pas? Est-ce que je tente d'avancer? Bon, j'ai bien fait de pas passer, je pense qu'il va revenir là où j'étais. S'il vient dans la salle où je suis, j'ai le sun. C'est bon, j'ai pas le sun. On va lui laisser un petit temps d'avance. Et il est en train de siffler là, il fait le malin, on dirait qu'il me nargue. Bon. Est-ce que j'ai oublié une porte par ici? Pas de porte ici. Là, ici, je suis là. Ça me paraît chelou que ça soit verrouillé ici. En gros, je me suis dit, ouais, ça va être ma porte de sortie limite, quoi. Le délire, c'est que c'est fermé. Ouais, bah voilà. Je suis fait griller. En tout cas, elle est ici. J'ai même pas eu le temps d'utiliser mon sort. Je sais pas si c'est parce que j'ai été trop long. Mais bon, on va essayer quand même d'un petit peu plus la suivre. Donc en gros, elle monte ici. Et elle va directement dans cette chambre-là, en tout cas. A mon avis, elle essaye tout simplement de... Mais en fait, pourquoi j'essaye de la suivre en fait? Il faut pas que je la suive de toute façon de base. Il faut que je descende de toute façon en bas voir l'autre Fabius. Donc déjà, en gros, il faut que je descende voir l'autre Fabius sans me faire griller. Donc déjà, j'ai commencé à oublier mon objectif principal. Je croyais réellement qu'il fallait que je la suive. Mais déjà, il faut pas que je la suive. Et il faut que je trouve un moyen de descendre justement en bas, mais sauf que en gros je peux pas descendre par l'escalier en gros où ça me menait ouais vers l'autre Alester là qui est mort, mais en gros je peux pas descendre là, donc en gros j'essaie de voir à mon avis les portes du jardin c'est mort, que à chaque fois dans la nuit on pouvait pas y aller. J'ai quand même essayé de la suivre hein. Attends moi biatch. Attendez, est-ce que j'ai le temps de passer? Réellement non, j'ai pas le temps, ils font réellement ils sont relous ces bâtards là hein. Qu'est-ce qu'ils foutent sérieux? Ils sont réellement parano les types hein. Genre les mecs ils sont là, ils se disent bon vas-y je vais faire une petite tournée vas-y tu prends la droite, je prends la gauche, vas-y je te suis, regarde, il y a le petit gros il fait la cover. Ouais donc c'est bon, je te fais une cover là, je te fais une cover mec, c'est bon. Regarde, j'ai ton bac, je cover ton bac. Mais réellement ils sont sérieux là. Et j'ai le temps. On va marcher tranquillou, on va essayer de passer. C'est pas pressé de toute façon les gens. Il faut que ça soit un épisode long. Ça sera un épisode long, mais on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, ça montre bah, que tout simplement le jeu devient de plus en plus corsé. Et ça me plaît. Parce que c'est vrai que je me plaignais justement un petit peu de la facilité du jeu. Je sais pas ce que vous en pensiez vous. Mais il y avait quand même. Attendez, je vais quand même en profiter pour voir si je peux sortir. Je peux sortir par là. Ah, mais c'est juste un balcon, donc au pire j'en ai un petit peu rien à branler, hein, j'ai envie de dire. On va vite se dépêcher, on va essayer de passer par là. Attendez, mais est-ce que je peux passer par là? Parce qu'en gros, je suis en train de réfléchir, mais en gros, là le Renoir il peut me. Attendez, il peut me choper, mais de toute façon j'ai mon sort. On va voir s'il passe de mon côté. S'il passe de mon côté, j'ai réellement le seum. Il passe de là-bas. Parce qu'en gros, je crois que je peux passer par ce côté en bas là. M'a grillé! Il est où? Vite. Oh putain, elle m'a grillé elle aussi. J'aurais pas le temps. Si j'ai eu le temps, go. Putain, mais le Renoir, qu'est-ce que tu fais là? Putain, dégage! Putain, le relou quoi. C'est bon, c'est ici les gens. C'est ici. C'est pour ça que je viens de me rappeler que c'était ici. Il me semble qu'ici je peux atteindre la cave à vin. Putain, j'y vois rien. Attendez, faut vite que je reprenne ma torche. Putain, le Renoir, il m'a saoulé carrément. Le mec, il revient comme as.
voulais quoi, tu sais? C'est bon, en tout cas, j'ai pas mal géré, j'ai envie de dire. Bon, ça a pris un peu de temps. Je sais pas, ça fait combien de temps déjà que je tourne. Mais bon, vous avez vu, hein, c'était pas facile en tout cas. Mais en tout cas, je viens d'arriver à repasser par ici. Oh, tu veux bien passer? Mais ouais, franchement, c'était un petit peu chaud, hein. En tout cas, c'est, vous avez vu, mon sort, il m'a plutôt bien servi. Et je m'en suis plutôt bien servi, on va dire, sur la fin. Bon, en tout cas, on retourne dans le côté sadomaso. Oh! Carrément, il y a déjà un mec qui est en train de se faire doiter, là. Il se prend des petites bifles, là. Hein, coquin, va. Well done, Lucius. Mes deux idiots de fils ont joué dans ces caves pendant des années, ne se sont jamais doutés de rien. À l'époque, j'avais fait construire cette chambre avec le manoir. Mais ils sont réellement cons. Parce que franchement, la planquette, elle est pas spécialement bien planquée. En plus, le rideau, il est super évident. Genre, il y a juste un petit côté droit comme ça qui est pas caché par le rideau. J'ai envie de dire, n'importe qui aurait pu griller, même moi sans la carte, à mon avis. C'est ici que tout se passe, ici Lucius, c'est le cœur du manoir, j'ai pas eu le temps de dire. À présent l'heure est arrivée pour toi de découvrir ton destin, tu as une mission à accomplir Lucius, j'attends. Je t'attends depuis plus longtemps que tu ne pourrais l'imaginer. Ouais, donc j'avais réellement raison. Le petit grand-père, lui, il est réellement taré aussi, c'est un putain de sadique, je pense qu'il va nous apprendre des trucs de ouf à mon avis. On va peut-être faire une petite partout ici, je sais pas, hein, pourquoi pas. Hein. J'ai envie de dire, on va attacher des mecs, on va leur mettre des petits coups de ceinture. Hein. Moi, je suis chaud. En tout cas, Lucius, il est chaud. Moi, je suis pas spécialement chaud, mais Lucius, je le sens bien chaud. Je sens qu'il a les yeux qui sentent le cul. Je sens qu'il a les yeux qui sentent le cul. Et tu as été trop imprudent. Ouais, ça va, mais ça va. Franchement, je suis qu'un petit gamin. Voilà, je suis en mode training. Déjà, je trouve que j'ai fait un bon taf. Le mec, j'ai ramené 9 mecs. 9 morts, il est toujours pas content, quoi. Attends, pas déconner, mec. Une fois que nous nous serons débarrassés de lui, à ton service, pour être exact, c'est bien toi, mon fils, pourquoi tu ne dis rien et tu la prophétie? Oui. Oui, Fabius. Je suis la prophétie. Je suis là pour tuer tout le monde. Celui en lui, le maître prendra ce... Ouais, donc en gros, ouais, lui... En gros, c'est réellement un taré. En gros, lui, il est dans la lignée du diable. Donc en gros, ouais, en gros, c'était réellement un taré. Lui aussi, c'est qui, le mec? C'est le paparazzi ou quoi, lui? Ah, il me semble que c'est le paparazzi, lui, carrément, le pauvre mec. Et lui, il va manger. Toi, tu vas manger, mec. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hello, my boy. Bonjour, mon garçon. Hello, grandson. Tu fais quoi, là? Hello, my boy. Attends, est-ce que je peux parler au débile? Wayne Preston. Menottes servant à attacher les victimes sur la table. Attendez, je vais regarder mon carnet parce que j'ai pas lu entièrement. Carrément, je peux pas lire. Donc, Fabius. Mon grand-père m'a réveillé, il m'a demandé de venir le voir dans la chambre. Tout le monde est encore debout, je dois trouver un moyen de passer inaperçu. Ouais, d'accord. Mais ça m'en dit pas plus. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Hello, grandson. Il veut rien me dire, hein, le bâtard. Hein. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce que justement, dans la boîte, la boîte à dialogue, ouais, j'ai pas eu le temps de lire exactement tout ce qu'il m'a dit. J'ai récolté des morceaux d'Humpty, donc ça c'est le truc du Ouija, j'en ai pas grand chose à faire, on va dire. Mais je peux pas lire, vous voyez, à chaque fois je peux pas descendre. Je peux pas descendre comme je veux. En gros, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le mec? Attendez, est-ce que sur la carte ça m'a mis un truc à jour? Tu veux pas m'expliquer ce qu'il y a à faire là? Oh mec. Hello, grandson. Hello, my boy. Ah, je vois pas réellement ce qu'il faut que je fasse là pour le coup. Parce que là, hello, il me dit rien en fait, ce connard là. Il est en train de me saouler. C'est vrai qu'il y avait le coup des bougies de l'autre fois. Mais je les avais déjà tournées, au pire, je vais le refaire. Est-ce que j'ai encore... Ouais, j'ai encore les allumettes. On va tester. Ah, déjà les bougies l'autre fois, je sais pas si vous vous rappelez, mais les bougies elles s'allumaient pas, donc en gros peut-être ça fait partie du sacrifice. Et c'est peut-être ça justement qui me demande, j'ai pas eu le temps de lire, à mon avis c'est ça, hein, parce que de toute façon je vois rien d'autre. Tu as allumé les bougies. Ok. Bon déjà j'ai allumé les bougies, donc on va voir ce qui me dit quelque chose maintenant. Hello, my boy. Bonjour mon garçon. J'ai allumé les bougies. Menottes servant à attacher les victimes sur la table. Ça c'est bien cool mon pote, mais ça m'en dit pas plus. Que tu fais quoi là clairement là? Parce que depuis tout à l'heure je le vois faire des trucs en mode chelou là.
Parce que là j'ai allumé les bougies, ouais c'est bien cool, mais attendez, est-ce que je peux prendre genre un sort ou faire quelque chose? Son esprit est trop puissant pour être contrôlé. Est-ce que je peux utiliser mon sort genre sur lui là? M'étonnerait. Hein. Son esprit, ouais bon lui ça m'étonne pas que son esprit soit trop puissant. Mais est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense pas. La croix est bien retournée, toutes les croix ouais sont bien retournées. Ah d'accord. Ah d'accord d'accord. Ouais c'est vrai que j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Parce que ça se pose ici. Je vois qu'il y a des vasques peut-être. D'accord. Bon bah ça va, c'est pas très compliqué. Avec un peu de chat j'ai trouvé. Est-ce que je les ai toutes prises? Les vasques, est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Non, elles sont toutes là. On va les prendre dans ma main. Bon. En tout cas, ça a l'air d'être une cérémonie de sacrifice de ouf. Impossible de le combiner. Non, mais je veux pas le combiner. J'en ai pas grand chose à faire de juste le prendre. Je peux pas le prendre. What the fuck? Pourquoi je peux... Ah, si, c'est bon. Juste que j'essaye de le prendre en mode... C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Je prends l'autre. Il m'en manque un, peut-être. Pas dire de conneries, mais si... En gros, là, c'est celui-là. Il me manque celui-là. Ok. Alors, à mon avis, j'ai pas dû le prendre, tout simplement. Ah, il est là. C'est bon. Bon. On va voir ce qui se passe, hein, les potes. Je viens de le mettre, ici. Ah, je viens de le mettre, là. Attendez. Ah, d'accord, d'accord. En fait, il y a une sorte d'ordre, si je comprends bien, Fabius. Attendez. Une des tasses est cassée, le sang coulera à travers, je dois la réparer. Ai-je laissé ma glu dans le bureau de la salle de classe de l'aile Est? Je dois la réparer. Ai-je laissé ma... Oh, carrément, ça va être super chaud. Est-ce qu'il m'a laissé quand même un truc sur la carte? Sur mon bureau dans l'aile Est. Donc je vois à peu près où c'est. C'est sa... Si c'est son bureau, en gros... putain, mais ça va être super chaud, les potes. Je sais pas si vous imaginez, mais il va falloir que j'aille carrément... Oh là là, ça va être la misère pour aller là-bas, les potes. On va essayer d'y aller, hein. Il va falloir que j'utilise... En gros, j'ai déjà utilisé 3 coups de mon sort, en gros, pour un petit peu effacer leur mémoire. Et déjà, je pense que c'est peut-être trop. Parce que 3, quand même, c'est un petit peu chaud. Ça veut dire qu'il va falloir que je repasse en haut de l'escalier où j'étais tout à l'heure, là où j'avais réussi à passer. Et en gros... Attendez, parce que déjà... Bon, mais j'avais... Je sais pas pourquoi je le sentais. Hop, on utilise notre truc et on va tenter le coup, hein, les potes. De toute façon, le truc qui est un petit peu chaud, c'est qu'à chaque fois, il va falloir que je switch de sort. Est-ce que je peux passer par ici? Là, je suis à la bibliothèque. Essayer d'utiliser la petite lampe torche. Déjà, je peux pas aller par ici. J'espère que personne, en fait, passe par ce couloir, parce que sinon, je l'ai vraiment dans le cul. Ben non. Où, là. Le meurtrier est dans la maison carrément. Ça vous faites pas trop bader vous. Attendez parce que là je suis à quel couloir? D'accord, je suis à l'opposé en fait. En gros là on voit qu'il y a des lumières. Est-ce que je peux passer par là? Ou est-ce que je me dois de passer par ailleurs? Là c'est quoi? Là c'est la tea room. La tea room elle m'en dit pas plus, enfin, ça me sert pas à grand chose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive par là-bas, je veux pas dire de conneries. Non, c'est une lumière. Là, carrément, je commence à devenir parano, les potes, tellement ça, c'est un petit peu en mode... Ça rajoute un peu de stress, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il faut quand même pas faire d'erreur, on va dire. Parce que là, par exemple, on a quand même bien avancé. Et là, si je me fais pécho, il va falloir que je refasse tout, j'imagine. Ce serait un petit peu con. Là, je suis passé ici. Là, c'est verrouillé. Donc l'aile est, je vois exactement où c'est en fait, hein, mais j'essaye de voir s'il n'y a pas un moyen justement de passer par un autre endroit, un petit peu plus simple on va dire. Attendez, j'ai mon téléphone qui vibre. Ouais, c'est... Et ouais, je me demande s'il n'y a pas un endroit tout simplement un peu plus simple. Donc là c'est l'utility room. En gros j'ai voulu passer par là, mais de toute façon je peux pas. Putain, carrément, il y a déjà des mecs ici. Je fais super gaffe. Je passe, faut que je passe, faut que je passe. C'est sûr. Hein.
directement passer en mode sort. Il y a quelqu'un derrière moi. Je vais être obligé de tracer les potes. Je suis obligé. Je m'en fous. Réellement, je m'en fous. Je sais que j'ai encore un coup. Ah, mais il y a quelqu'un derrière. Il y a mon daron. Faut vite que je passe. J'ai pas le choix. Il m'a repéré, mais c'est pas possible. Je viens d'utiliser mon sort. C'est pas possible. Il m'a pas repéré là. On est d'accord. Quoi? Ah putain, j'ai réellement pas de chance les potes. Pourtant je l'ai utilisé réellement, j'ai utilisé mon sort. Mais à mon avis, tout simplement, vu que c'est mon daron, peut-être genre il a un second sens, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on sait à peu près où il faut passer, on va essayer de faire ça en speed, on va passer un petit peu tout ce qui est scène cinématique, etc. Bon. Bah c'est pas facile en tout cas. C'est réellement pas facile. Ça montre que, bah, comme j'avais dit hein, dans l'épisode précédent, bah, le niveau de difficulté et le jeu devient de plus en plus prenant et de plus en plus chaud, on va dire. Les meurtres, à mon avis, vont commencer à devenir réellement sanglants parce que là, on est quand même, on va dire, à une période du jeu où on va devoir tuer notre daron, on va devoir tuer notre mère, etc. Donc, à mon avis, ça va commencer à devenir réellement ouf. En plus, avec l'arrivée de l'autre Fabius, là, carrément, qui nous met à distribution sa petite salle, là. Sa petite salle où, justement, on va pouvoir utiliser... Attendez, j'essaie de passer doucement. Je vais essayer de passer en fait sans me faire griller. Là, je vois qu'il y a deux mecs, tac tac. Ok, bon, on va attendre comme tout à l'heure. Là, carrément, ça me fait chier de devoir tout refaire. Mais bon, pas trop le choix, j'ai envie de dire. Pas trop le choix. Bon, la Suzanne est toujours là. Les deux cons sont toujours là. Ils sont toujours là, les potes. Voilà. Voilà, collez-vous le cul comme ça, voilà, mets-lui la main aux fesses, voilà, super. On va essayer d'avancer par là comme tout à l'heure. Putain, je suis trompé de porte. Bon, le Renoir il est pas là. Oh putain, le keuf! En gros, je sais pas pendant combien de temps justement je ne suis pas grillé. On va vite aller par là, bon. Limite c'est pas très grave, j'ai envie, j'ai utilisé qu'un effacement de mémoire, donc c'est pas réellement énorme, j'ai envie de dire, à mon avis peut-être qu'on est obligé de toute façon d'utiliser au moins un de ces trucs. Donc on va dire que pour le moment on est pas trop mal, un c'est pas trop mal. Il faut quand même faire super gaffe, on va attendre tout simplement qu'ils reviennent tous par ici, ce sera le plus simple. Ah mais je suis con, il faut que je retourne dans l'utility room, putain je commençais à partir en mode... Oh là là, je suis trop con en fait. Je commençais à me dire qu'il fallait que j'aille dans la truc du vieux là. Putain, il fait chier. Ah ouais, putain, je passe par là-bas en fait. Putain, il est relou. Oh, mais je sors. D'accord. Ils sont tous en mode relou. Hein. Vas-y, on va attendre qu'ils reviennent tous. Hein. Sinon, je pourrais pas passer de toute façon. Putain, carrément, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. Il faut garder le point. C'est chaud, ça brûle. Allez, dépêchez-vous là, les cons là. Vite, essayez de passer maintenant. On a rien à foutre, no respect. Je sais pas par contre où est le Renoir. Sûr, je dis ça, il va être dans le garage, le débile. Voilà. On demande qu'est-ce qu'il fout là, hein, le gros con. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, mec? Je peux pas utiliser mon sort? Les mecs? Attendez, mais c'est un délire, vous avez vu? J'ai pas pu l'utiliser. Oh là là, my goodness. Bon, on va faire un dernier essai en live, j'ai envie de dire, réellement, vous verrez tout ce que je vais faire. Et sûrement, peut-être, après, je referai un essai en off, parce que réellement, là, ça commence à... ça commence à durer un petit peu trop longtemps à mon goût, limite. Limite, je commence à m'impatienter, j'ai grave envie de découvrir, justement, ce qui se passe de... Après, par la suite, justement, avec le paparazzi en bas qui est séquestré, carrément. Putain, mais c'est réellement chaud, les potes. Hein. Je suis en mode Pandora Tomo, en mode Splinter Cell double agent, là. Vas-y, avance. Avance, la vieille peau. Vas-y, on va la suivre, comme d'hab. De toute façon, on est rodé, maintenant. J'ai envie de dire, à ce niveau-là, on est rodé. De toute façon, je vais essayer de la suivre. On va attendre. Les deux cons là, est-ce qu'ils sont réellement loin? Ils sont quand même assez loin, mais on va pas tenter parce que la porte elle est ici. Ouais, je pense qu'ils ont le temps de me rôder en plus. Ah, ben. De toute façon, il y a la Suzanne qui est là à chaque fois, elle je la zappe.
Donc on va attendre qu'ils fassent leur petit tour de ronde, qu'ils soient tous de dos, on va passer là-bas. Après, on va essayer d'aller voir justement là où il y a le Renoir, mais le Renoir, je sais pas du tout ce qu'il fait en fait. Le Renoir, en fait, il est tout le temps dans son garage, le mec, à n'importe quelle heure. Bon, vas-y, on va commencer à les suivre. Et on va avancer doucement, parce que maintenant, les mecs qui jouent avec un Astro, ils jouent en 5.1, ils ont pas de tout. On va passer là. Le Renoir va bien sûr être de la partie. Pour nous faire chier. On voit qu'il y a la lumière. Voilà. Ah ouais, mais il va venir par ici. Attendez. Est-ce que je me mets là? Est-ce que si je me mets là, il va me griller? Je pense pas quand même. À moins qu'il réellement il check cet endroit là. Parce qu'en gros, ouais, il va remonter l'escalier. Il y a moyen qu'il me voit. On va voir. Si réellement le jeu, on va dire, est quand même bien fait. Normalement là, vous voyez, je me décale en même temps que lui. Je devrais pas pouvoir me griller. Ouais, ça va. Le jeu est bien. Et le jeu est bien réalisé. C'est bon. Par contre, le jeu est bien réalisé. J'y vois que dalle. Hein. J'arrive même pas à appuyer sur la porte. C'est bon. Bon. On va aller revoir l'autre con là, de Laurent Fabius. Putain, réellement, hein, c'est la night de ouf. J'y vois rien, les potes. J'y vois réellement rien. Alors, j'imagine pas vous. Et je m'en excuse, mais on peut pas justement rehausser la luminosité sur le jeu. On va dire que c'est un des problèmes justement où on pourrait... Attendez, je vais prendre ma lampe torche parce que là je sais plus où je suis. What the fuck in the club? Q. Ok, je suis là. Attendez. Ok. Parce que réellement, ouais, à ce niveau là, ils ont pas spécialement géré. Ils auraient dû penser justement aux personnes qui ont des écrans un petit peu sombres comme le mien. Moi j'aime pas spécialement avoir de la luminosité trop haute. Mais je pense que même en montant à fond, si on augmente les gammas, à mon avis, j'aurais peut-être pu le faire en modifiant les options. Moi, ça, on va passer les potes. On sait déjà ce qu'il nous a dit. Donc, on va prendre les allumettes, on va directement faire ce qu'il faut. Donc, tac, le coup des allumettes, on va allumer les bougies. Là, on est rodé, on sait ce qu'il faut. Hop, hop. Hop. Et hop. Après, on va aller prendre les vasques là, ou je sais pas comment ils appellent ça. Je pense qu'ils appellent ça comme ça. Hop, hop. Donc, par hasard, il y a un truc qui est cassé, n'empêche. Putain. C'est pour nous faire chier, quoi, hein. Fabius, quoi. Putain de Fabius, mais. Ça se fait que je peux pas mettre. Parce que j'ai pas. À mon avis, il y a peut-être un ordre à suivre. Alors, tout simplement, attendez. Mise à jour du carnet, Fabius. Une des tasses est cassée, le sang coulera à travers, je dois la réparer, blablabla. D'accord, bon, déjà, objet correctement utilisé, mais de toute façon, ça me sert pas à grand chose, puisque de toute façon, il y en a une qui est cassée, donc en gros, il va falloir que dans tous les cas, je monte là-haut. Là, je vais allumer ma lumière, parce que ça commence réellement à me saouler de rien y voir. On va faire attention là au Renoir parce qu'à mon avis il est peut-être déjà à la sortie là, je sais pas ce qu'il fait en fait. Pas du tout ce qu'ils font les mecs, hein, n'empêche en pleine night comme ça. Attendez, il y a la lumière ici. Est-ce que ça veut dire qu'il est là? Pas réellement où il traîne en fait. Est-ce qu'il est seulement dans l'utility room ou alors est-ce qu'il traîne au niveau de la cave? Oh. S'il est dans le garage, il est dans le cul. Au moins il est pas là. Essayez d'avancer en speed. Il est là. Il va me voir, c'est sûr. Clairement il m'a pas vu. Grosse conne, va. Ouais. Mais par contre il m'a vu, il m'a pas raté même. Ah ouais, mais elle revient du coup. Putain de vieille schnock quoi. Viens là. Laisse pas faire. Carrément. Ah, c'est parti, là. Bon bah les potes, j'avais dit que je ferais une pause. On va dire, on va faire un petit cut. J'ai pas réellement le choix, vous vous en doutez. On va essayer d'avancer un petit peu plus. Bon, on se retrouve tout de suite après les potes.
Bon, ben les potes, on est de retour. Je sais pas réellement comment je vais vous présenter ça, mais j'ai fait, il me semble, après la séquence un petit peu fade, toutes les fades que j'ai fait, j'ai dû faire à peu près, je dirais environ 6 essais, 4-5 essais, je sais pas réellement. En tout cas, là, je vous ai mis, je pense que je vais vous mettre, je pense que vous avez dû voir ça en tout cas. Je pense que vous avez dû voir ben le passage où j'ai réussi, justement, je parlais pas, j'étais réellement en train de jouer ma vie. Limite, peut-être je vous mettrai même la totalité justement de mes fades, mais je parlerai pas, mais au moins vous pourrez voir justement la progression. Ça vous permettra de voir un petit peu comment j'ai géré le bordel. En tout cas, c'était pas facile hein, de passer à travers. Et en plus, je sais pas si vous avez grillé justement dans l'essai, mais si vous voulez, je me suis compliqué la vie. Enfin, je me suis compliqué la vie. Je pense que j'étais obligé de passer par là. En tout cas, en fait, je pensais qu'il fallait que j'aille dans le bureau en fait de mon grand-père, en fait. Et au final, j'avais pas bien lu, on va dire, c'était la salle de classe. Et la salle de classe, bon, se trouvait juste à côté, mais bon, pas très grave. Donc en gros, on va prendre ça qui est cassé. Tac, on le combine. Et normalement, il y a tout qui est ok maintenant, parce que j'ai mis un petit coup de vue. Donc, on va essayer de placer, voilà, le premier. On va placer le deuxième. Bon, on va passer en mode sacrifice, hein, j'ai envie de dire. Hein. Putain, ben, je pense que ça sera bien mérité. Hein. Franchement, un meurtre, là, ça fera pas de mal. Hein. Parce que réellement, avec tout ce qu'on a fait, là, c'était réellement chaud. Hein. Réellement, c'était réellement chaud. Mais réellement, c'était réellement chaud. Non, plus sérieusement, ouais. Bah, ça montre que le jeu est de plus en plus chaud. Et puis, ça fait plaisir. Parce que bon, je pense qu'on arrive pas loin de la fin. Je sais pas réellement combien il reste de personnes. Mais comme je vous disais, il y en a de moins en moins. Donc, c'est évident que bah, ça se complique. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit, l'autre gros con, là. Je viens de tout mettre, mec. J'ai tout mis. Hello, my boy. Bonjour, mon garçon. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus? D'accord, les bougies se sont toutes éteintes, du coup. D'accord. En gros, je vais reprendre mes allumettes. On va rallumer le feu. Le feu de Koh-Lanta. Il n'en restera plus qu'un. En gros, voilà quoi. Faut que ça soit moi. Allez, vas-y, dis-moi, Fabius, qu'on va lui baiser sa grand-mère. Oh! Est-ce qu'il y a un ordre justement hein, hein. En gros, vous avez vu, si je veux, je peux intervertir en gros les vasques. Attendez, est-ce qu'il y a directement les symboles tout simplement? Ça correspond à ça, mais j'imagine que sur tous les trucs c'est les mêmes. Et là, je peux pas le reprendre. En gros, c'est qu'il est bien placé, j'imagine. Celui-là, en revanche, je peux le prendre. Là, je peux pas le changer. Est-ce que je peux le changer avec celui-là? Je peux le changer avec celui-là. On va essayer de le caler là. Je ne peux pas. Celui-là, est-ce que je peux le caler là? Je ne peux pas. Est-ce que j'ai zappé un épisode? Est-ce que... En gros, là, j'ai toujours les trucs sur WAM. Enfin, j'ai des trucs sur WAM. Bol réparé, bol servant à collecter le sang des victimes. Ça, ok. Celui-là, ok. Donc, celui-là, ok. On va essayer de prendre celui-là. Parce que peut-être tout simplement c'est moi qui fais de la merde. Je pense pas là. Peut-être là, ça c'est déjà mis là. Un peu bizarre cette histoire. En gros là il est déjà mis, celui-là est déjà mis. Il y a déjà 4 trucs en gros. En gros là il m'en reste un sur moi. Tu l'as mis et que là qu'il est pas mis. Donc en gros normalement là je devrais être ok. Que là j'ai plus rien sur moi. Hello my boy. Hello my boy. Ouais c'est cool. Hello mais, grandson. Hello my boy mec. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus? Je vous dis peut-être c'est un système d'ordre à respecter. En tout cas non j'ai pas l'impression. Attendez ça c'est quoi? Quel symbole que j'ai à l'intérieur? Est-ce que c'est l'œil? Ah ouais c'est l'œil, hein. On voit très bien que c'est ça. Déjà ça c'est ça, on est sûr à 200%. Attendez, est-ce que ça m'a mis quelque chose à jour? Non, ça m'a rien mis. Donc là, celui-là c'est celui-là. Ensuite, ça, c'est ça. On est d'accord hein, les potes, hein. On fait pas de conneries, hein.
Ça c'est bien ça, et ça c'est bien ça, dans la logique, ouais, bah c'est ça aussi. Il veut rien me dire, le vieux. Le vieux ne veut rien me dire, en plus il parle pas. Hello, grandson. J'ai quelque chose à faire, quelque chose que j'aurais zappé, tout simplement. Parce que là, les bougies sont allumées. Ça c'est fait aussi, ça c'est fait. J'ai oublié une vasque. Ça c'est ma carte, j'en ai rien à foutre. Je vais prendre ma petite torche justement pour essayer d'éclairer un petit peu, pour voir ce que ça donne. J'ai zappé quelque chose, est-ce qu'il faut que j'y mette un coup de ceinture? Non, à mon avis c'est pas ça. Comment je peux... Est-ce que je peux peut-être faire bouger mon... Non, parce que tout à l'heure on avait essayé, ça me disait que en gros son esprit il était trop puissant. Clairement, je suis en train de prendre des photos. Petite photo, non? Une petite photo, allez, ça ira dans l'album, mec. Regardez, carrément, il y a des photos qui tombent par terre. Non, mais réellement, là, je capte pas réellement ce qu'il faut que je fasse. Parce que là, tourner les croix, bah, j'ai pas de réel intérêt, hein, puisque... Bon, attendez, on va essayer de prendre notre sang, on va essayer de voir si je peux contrôler son esprit au début, peut-être. Non. Son esprit est trop puissant, son esprit est trop puissant. Bon, bah, on est une nouvelle fois bloqué. En gros, collecter le sang, ça je veux bien, mais parce que là, on est d'accord, j'ai tout fait, j'ai réparé la vasque, j'ai tout est mis, on va dire, un petit peu comme il faut. Que je zappe quelque chose, ça m'étonnerait, les potes. On prend notre lampe. Parce que lui, en fait, j'ai l'impression qu'il veut pas me dire... Hello, grandson. Ça veut pas se mettre à jour, tout simplement. Oh, je vais essayer de toutes les récupérer. Je vais essayer de tout récupérer, écoutez, on va bien voir. Donc en gros, celui-là, c'est le truc pété. Le truc pété va ici. Ensuite, là, c'est l'œil, normalement. Donc je prends l'œil. Donc l'œil va ici. Ensuite, celui-là il va ici normalement. Enfin, il va à l'autre. Celui-là va ici. Et le dernier, on est d'accord, il ne peut aller que là. D'accord. Donc après, est-ce que c'est peut-être un ordre à suivre vis-à-vis pardon, des bougies? Est-ce qu'il y a un ordre? Attendez, est-ce qu'il y a peut-être un système? Clairement, maintenant ça me dit que ça ne peut pas être utilisé de cette façon. En gros, je peux plus allumer les. Je peux même plus utiliser mes allumettes. Bon, ça va devenir un petit peu chelou s'il sort les potes, hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais. C'est pas ça, hein. Attendez, je vais re-switcher, je vais reprendre mes allumettes, on sait jamais. Au cas où ça serait un bug. Tiens, non, c'est pas ça. Bon, on va faire ça, on va reprendre toutes les vasques. On va allumer les bougies, peut-être dans un premier temps. Comme je disais, et comme j'avais fait tout à l'heure. Là, je reprends mes bougies. Enfin, mes bougies. Je reprends mes allumettes, pardon. Et mes allumettes ne veulent plus... Ne veulent plus allumer ces trucs là. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose il y a un bug du game ou quoi? Parce que là réellement si les bougies veulent plus se mettre je capte pas trop le délire, hein. On va essayer peut-être un ordre précis, ouais, de peut-être il faut les placer dans un premier temps tel ou tel truc. Je pense pas, parce que de toute façon voilà et quand même les inscriptions qui sont mises. Voilà, j'ai envie de dire, hein. Pour moi, il n'y a pas de réel sens, à mon avis. Donc, réellement, ouais, il y ait un sens, c'est que je ne le connais pas. C'est, en tout cas, c'est grave chaud, hein. Ou alors, c'est moi qui suis, complètement débile pour le coup, mais... Nouvel objet d'inventaire. Pourquoi ça met un nouvel objet d'inventaire, déjà? En gros, il y a un truc pour récolter 100, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je le pose là? Ou alors qu'il faut que je le donne à mon père? Enfin, à mon père, à mon oncle? Hello, my boy. Non.
que là le truc est mis là, et le truc là je l'ai repris en fait, d'accord. Bon, objet correctement utilisé, d'accord. Et j'ai toujours la truc qui est cassée. En gros, il y a celle-là qui est mise, on est d'accord. Celle-là qui est mise. Celle-là qui est mise. Celle-là qui n'est pas mise. Okay. Bon, j'ai dû la récupérer sans le vouloir. Bon, j'imagine. Voilà, il y a tout qui est mis. C'est ça qui me paraît chelou, mais les bougies ne veulent plus se rallumer. Et sans les bougies, je vois pas réellement ce que je peux faire. Hein. Réellement, là je suis un petit peu paumé les potes. Désolé si ça commence à devenir ennuyé, mais ça l'est pour moi aussi, parce que là j'essaie justement de réfléchir, donc j'essaie de pas trop faire le teubé. Mais ce gros con là aussi, il veut rien me dire, il veut pas me parler, il... Bonjour mon petit-fils, c'est bien cool mon gars, mais... Je sais pas, tu sais, aide-moi mec. Parce que là j'ai tourné une croix peut-être, ça a fait un truc. Parce que déjà lui... Il me dit rien, lui voilà, il est déjà en mode position à se faire tuer quoi. Les allumettes ne veulent plus s'utiliser. En gros, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, comme je disais tout à l'heure, peut-être vis-à-vis de mon sort, peut-être vis-à-vis de ça, mais non, son esprit est trop puissant. Bon. Parce que là, si c'est un blème du jeu, je l'ai un petit peu dans le cul, j'ai envie de dire. Excusez-moi du gros mot, mais... Là, on est d'accord, j'ai bien mes allumettes à la main, hein. Ouais, je l'ai bien. Bel objet, ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, j'ai tout repris. On va reprendre les allumettes, on va essayer de refaire comme je disais tout à l'heure, mais ça avait pas l'air de vouloir. Hein. Ah, les allumettes... Soit j'ai plus d'allumettes et ça ne marche plus, soit il y a carrément un blème quoi, parce que... Bon bah les potes, je pense qu'on va faire une coupure. Au pire je vous montrerai, peut-être je vais tout simplement plus parler, ou je sais pas réellement, mais là c'est en train de me prendre un petit peu la tête, parce que là si les bougies justement veulent pas se remettre en place, je vois pas réellement ce que je peux faire. Et j'ai pas justement envie que l'épisode dure 3 heures, pour vous, c'est pas spécialement intéressant aussi, quoi. Mais là, je dois dire que je suis un petit peu kéblo, je vois pas réellement ce que je peux faire, et je dois dire que je suis un petit peu perdu. Normalement, le coup des allumettes, vous avez vu, ça marchait. Et j'ai réparé, en gros, le truc manquant, et pas moyen de faire marcher le truc. Au pire, je vais peut-être essayer tout simplement de relancer le jeu, donc au pire, je vais faire une coupure, les potes. On va bien voir. Je peux faire fin là, par contre si je fais fin à mon avis je vais l'avoir dans le cul. Putain c'est chiant les potes, c'est chiant, c'est chiant. En plus ils mettent pas là le gros con là. On va essayer un dernier coup. Ça va comme ça. De toute façon, vous voyez bien, les trucs qui sont quand même plus ou moins dans l'ordre, j'ai envie de dire. L'ordre est bon, tout est bon, mais... Et ça c'est mis, ouais, blabla. Là, il m'en reste deux à mettre. Alors, comme je dis, peut-être je me trompe dans l'ordre, hein. Peut-être c'est moi qui fais de la merde. Je pense que de toute façon l'autre il m'aurait dit si c'était s'il y avait un blème. Parce que là en l'occurrence il me dit rien du tout quoi. Bon bah les potes, on va faire une petite coupure, vous m'en voulez pas. Mais c'est dans votre intérêt aussi, peut-être que je vais y être encore pour 2 heures pour vous dire, donc on va bien voir. Bon, on se retrouve après les potes. Bon, on se retrouve. Je pense avoir peut-être trouvé, en tout cas, j'ai tenu justement à vous le montrer réellement une nouvelle fois en live, donc j'ai eu un petit problème, donc en gros j'ai voulu, je savais pas que ça allait faire ça du moins. Quand je vous ai dit que j'allais faire la petite coupure, donc en gros j'ai décidé de relancer le jeu, sauf qu'en relançant le jeu, j'ai dû me retaper le passage en gros, où j'ai dû refaire en mode, en mode Splinter Cell le chemin. Bon, maintenant je connais, donc je l'ai fait assez rapidement.
Donc je vais pas vous le remettre, mais bon, en gros là, je suis retour à la case départ, donc en gros il va falloir que je remette les vasques, etc. Mais je pense avoir trouvé, donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc en fait, il y avait une ceinture à trouver, la ceinture justement, je faisais que me foutre de ça depuis tout à l'heure à chaque fois, en mode sadomaso, justement je vais devoir l'utiliser, ben voilà. Au final, je dois m'en servir, et voilà. Donc, on va commencer à placer les vasques, donc en gros... Ça venait pas, ça venait pas du système des bougies tout simplement parce que les bougies elles sont toujours éteintes pour le moment, même si j'ai refait le truc. Ou alors justement c'était un bug et justement peut-être ça va me permettre de refaire marcher le bordel. Mais en tout cas le coup de la ceinture je l'avais pas mis et c'était justement à mon avis ça qui fait que ça ne marchait pas. C'était juste à côté de moi. J'ai fini par trouver en gros en off hein, tout simplement parce que à mon avis en online j'aurais pas trouvé. En live avec vous en tout cas. Parce que déjà j'avais pris pas mal de temps. Attendez, il me manque juste celle-là. Il m'en reste encore une. J'ai l'impression qu'à chaque fois en fait je récupère la même. Là, on va dire que j'ai toutes mises, hein, on est d'accord. Hein. Ça l'a mise, ok. Donc on va reprendre une nouvelle fois les allumettes. Donc les allumettes là normalement ne devraient plus bugger. Que tout simplement j'ai relancé le jeu et j'ai dû me retaper une nouvelle fois la mission espionnage. Ça aura été laborieux, mais je pense qu'on y est. Voilà, mise à jour du carnet, bon bah les potes. Voilà, ça valait quand même le coup, je suis resté patient, j'ai fait ça d'un coup. Je pense que ça fait déjà à peu près plus de 1h30 que je joue, parce que vous allez pas voir ça, je sais pas combien va durer l'épisode. Mais vous n'allez pas voir ça, puisque j'aurais fait certainement voilà de grosses coupures pour que justement l'épisode ne soit pas trop chiant à regarder. Mais sachez que ouais, réellement le jeu devient de plus en plus chaud. Et crois que le pacte fait de moi son ami, ce n'est pas le cas. Carrément, en gros, il va falloir que je tue Fabius. Carrément, en gros, je vais même pas tuer ce mec-là, je vais même pas tuer Wayne Preston, mais je vais devoir me taper Fabius. Donc, en gros, la trahison. Attendez, il y avait Scoff l'autre fois. Ok. Carrément, ça commence à devenir comme ça. Est-ce que vous voyez ce que j'ai? Dague utilisée pour les sacrifices. En gros, c'est la dague que je suis censé utiliser contre ce mec, mais au final, à mon avis, je vais l'utiliser contre Fabius. Et ben voilà. Fabius, on va voir ce que ça va faire. Oh, carrément, on va trahir le Fabius. En mode sans respect, en plus, un coup de dague. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va lui planter plein de... Oh là là, oh, il a planté dans le dos, quoi. Oh là là, il y a mis plein d'eau. Oh l'enculé, carrément. Oh là là. Et franchement, hein, je vous avais dit, il commence à devenir ouf. Carrément, le mec, il va s'enflammer. En plus, il y a les bougies à côté. Oh là là, mais en tout cas, ouais, carrément, on a tué le cum, quoi. On a tué le Fabius. Voilà, bah en gros c'était ça la trahison. Au début je me suis dit on va peut-être être pote avec lui mais c'est pas du tout le cas. On a débloqué un nouveau succès. Nine of them did not matter. Donc en gros c'est lui le 9ème. Ok, je croyais qu'on était déjà à 9 meurtres. Mais bon, visiblement c'est pas le cas. Ou alors ça a rien à voir. Oh ma tête, quel est cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? Carrément, qu'est-ce qu'il veut lui? Le mec il est perdu. Toi t'inquiète pas, je vais te tuer aussi, Bolos. Le mec il a tout vu, tu sais. Laisse pas partir jeune garçon, ok. Eh non mon gars, je vais profiter de toi maintenant, je vais te mettre des petits coups de ceinture, je vais te péter le cul mec. Je vais te casser le cul. Okay. Carrément il a ramassé la dague ce bâtard. Comment ça se fait qu'il a ramassé la dague là? On l'a même pas vu la ramasser, vous avez vu? Oh là là, on se met en mode... Kamehameha! In the face bitch. Ah, carrément, tu pourrais un petit peu mieux viser s'il te plaît. Ah ouais mais d'accord, je comprends mieux. C'est parce qu'il y a ces putains de croix donc en gros... Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que... D'accord, je crois que je pense... Oh l'enculé, je savais qu'il allait faire ça. Putain de PD, ça veut dire qu'il va falloir qu'on... Ah d'accord, carrément ça nous met... Ça fait style en mode boss final carrément. Bon, en tout cas cet épisode c'est réellement un truc de ouf. J'espère que vous appréciez les potes, putain. Faire gaffe parce qu'à mon avis cet enculé en fait il peut me mettre... Carrément putain, j'ai pas pris le bon truc. Que je retourne. Vite, vite. Yes, c'est bon, c'est ça les potes. Bon, ça a pas l'air très dur. C'est bon. On va retourner les croix. Hop. A mon avis, j'ai juste besoin à chaque fois de recharger de 1. J'en ai mis pas mal dans la gueule, là. Allez, boum! Kamehameha! Enemy down! Charlie's down! Carrément, le mec... On dirait carrément, je suis un pro du Kamehameha. On va dire que bon, c'est vrai que je suis un fan de DBZ, mais à ce point-là, regardez, il y a carrément un petit ralenti et tout. On va voir ce qui se dit dans le carnet. Wayne tourne les croix. Ouais, bah, il a pas eu le temps. Hein. Moi, je vous dis, réellement, là, j'ai réussi du premier coup. Je suis assez choqué tellement le mec, je l'ai enculé.
Il a pris trop cher. Il a réellement pris trop cher, carrément. Le mec, il a tourné une croix, j'en ai tourné deux. Le mec, il était séché, quoi. Ah, ben là, ça me fait réellement plaisir, parce que sur ce coup-là, j'ai réellement pas tardé, tandis que j'ai galéré, on va dire, un petit peu dans le mode espionnage. Bah, alors là, en mode duel, là, vous avez vu, hein. En duel, le mec, il a pas fait le fou, hein. Il est calmé direct. Bon, en tout cas, cet épisode, c'est fait, on va dire. On va écouter un petit peu ce qu'il y a à dire, mais je pense que là, même moi, je suis exténué mentalement, là, tellement je peux vous dire que j'en ai bavé, hein, dans la mission un petit peu espionnage, là. Bon. Au final, je peux vous dire que j'ai réussi deux fois d'affilée, c'était pas très compliqué. C'est juste que je me prenais la tête, on va dire, un petit peu pour rien. Au final, avec le sort justement d'effacement de mémoire, c'était pas très dur. Mais bon, voilà. Le livre de Léviathan, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, carrément, c'est un livre qui est tombé dans la chambre du vieux. Préparer la guerre, réveiller les hommes sacrés, laisser les guerres s'approcher, laisser les venir. Papa, dans quoi t'es-tu engagé? Genre, ça y donne la puce à l'oreille, tu sais. Il a un doute sur son père, hein. Quand il va découvrir que son père il est mort dans la chambre du bas là. Ainsi, je crois que Lucius a été maudit, c'est la seule explication que je peux trouver. Ah putain, il commence à comprendre. Papa a disparu pendant des semaines et on dirait qu'il est intéressé à des sujets vraiment occultes. Ah putain, là ça commence à réellement devenir ouf. Elle, je l'ai quasiment jamais entendu parler de notre mère carrément. Je ne peux exclure la possibilité que mon père y soit mêlé d'une manière ou d'une autre, mais nous devons d'abord amener Lucius chez un psychologue pour le savoir, il ne peut rien nous dire. Lui-même. Ouais, un psychologue, à mon avis, ça va pas réellement nous aider, hein, mon petit pote. Hein. Oh mon dieu, Charles, avec tout ce que nous avons déjà enduré, cela ne s'arrêtera donc jamais. Là, franchement, ça commence à réellement être abusé, les potes. Hein. Putain, là, le meurtre entre le coup de dague in the face et l'autre à coup de Kamehameha, je peux vous dire que ça commence à être chaud, hein, putain. Réellement, cet épisode et l'épisode 5 ont été réellement violents. J'espère que les potes vous avez apprécié, parce que réellement, moi, j'ai pris un grand plaisir, en tout cas, à faire ce petit let's play là. De toute façon il reste pas mal d'épisodes, hein, j'imagine, mais il reste de moins en moins de personnes, il reste notre père, donc attendez, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc je sais pas pourquoi j'ai eu le succès à 9 ici quand j'ai tué Fabius, mais putain, il ne reste plus que 2 menaces, ils peuvent rester dans cette pièce, personne n'en saura jamais rien. Ouais, j'avoue que de toute façon ils sont pas au courant de cette salle, donc au pire, j'ai envie de dire, les cadavres ils sont bien placés, il y en a même plus besoin. Bon, on va regarder juste le Ouija pour voir un petit peu ce que ça va nous dire. Pour nous donner un petit indice. Souvenez-vous du 5 novembre. Je ne suis pas la poudre à canon. Trahison et conspiration. Donc en gros, là, ils font référence à la guerre. Donc en gros, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, on se creusera la tête la prochaine fois. Je sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode. Je pense que l'épisode, ça va être le plus long. Et j'espère en tout cas que les potes vous aura apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lécher. N'hésitez pas à lécher les potes. Franchement, n'hésitez pas à lécher. Non, réellement. N'hésitez pas à laisser un petit like, les gens. Ça fera toujours plaisir. Et c'est vrai que cet épisode a duré pas mal de temps. Et j'espère que justement au niveau du montage, ça vous fera pas trop chier. Je vais essayer justement de faire des bons réglages au niveau de la luminosité, etc. Pour que vous puissiez justement apprécier un maximum. Donc voilà. Bon bah les potes, on se retrouve pour l'épisode 7 très très bientôt. Sûrement lundi ou mardi, quelque chose comme ça, si je suis réellement motivé. Et puis voilà, bon bah les gens, d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao ciao les potes.